un greffin goudron, un quartier de la commune de Cocody, un quartier difficile d'accès du fait de l'état de dégradation très avancé de la voirie. Et les accès de ce quartier chic de la commune de Cocody n'ont jamais connu de bitume. Une situation préoccupante pour les riverains. La route, en tout cas, franchement, nous fatigue. Quand il pleut, c'est très difficile de rentrer chez soi. Et les véhicules sont obligés même de garer. On est obligé même de soulever nos pantalons et culottes pour pouvoir rentrer chez nous à la maison. Le grand quartier, un nouveau quartier comme le nôtre, il y a du monde, mais il n'y a pas de route. Chaque jour, nous faisons des efforts, mais quand il pleut, il est pratiquement impossible de sortir et d'entrer chez nous. Cette situation serait la conséquence de l'inexistence de canaux d'évacuation d'eau de ruissellement. Les gens viennent déverser des ordures sur la route parce que la route n'est pas faite. Il n'y a même pas de caniveau ici. En tout cas, sincèrement, nous souffrons. Cette eau qui stagne du fait qu'il n'y a pas eu de canalisation crée des maladies liées au paludisme. Ça nous crée beaucoup de préjudices. Et puis, au niveau de l'électrification de la voie aussi, la voie n'est pas éclairée. Ce qui fait que nous sommes exposés dans la zone au grand banditisme. Nous crions vivement qu'il y ait réparation pour cette voie. Le regard des habitants de ce quartier est tourné vers les autorités compétentes en vue d'améliorer leurs conditions de vie.